vais vous dire un truc. Avant qu'on arrive ici, on a quand même bien galéré. It's Britney, bitch. On est en train de faire un cadeau pour Antoine. Pourquoi tu chuchotes? Même pas qu'il entend. Mais il est quand même à Toulouse, là. Nous, on est à Bordeaux, il va pas vraiment nous entendre. On sait jamais. Aujourd'hui, petit vlog, on a une surprise pour Antoine. Dans les derniers vlogs, vous l'avez vu, cette petite BM. Petite parenthèse, ça c'est sûr qu'on l'a vu cette BM. Ça fait au moins 6 mois qu'elle est immobilisée. Et à chaque fois qu'on répare un putain de truc dessus, eh ben y a autre chose qui pète. Donc là, on a pris la quinte, on a sorti le moteur et on a tout ouvert. Et si j'ai bien un commentaire à faire sur cette voiture, c'est que c'est une vraie saucisse. Mais bon, vu qu'on aime bien les barbugs dans la bande, ça fait plusieurs fois qu'il galère à la remonter. Et en vrai, il en a marre et il aimerait vraiment partir au Mans avec. Du coup, il vient ce week-end, on est mardi. On s'est dit avec Lucas et toute l'équipe qu'on allait remonter son moteur et le remettre dans la BM. Comme ça, quand il va arriver, bah. Beau gosse, hein, il aura le moteur et la BM marchera. Ah, est-ce qu'on est des potes sympathiques Ouais, c'est surtout que j'ai besoin de mon garage, hein. Ah, il y a peut-être de ça aussi. Voilà, donc ça, ça doit aller là. C'est un 4 pizzas en ligne. Un 4 pizzas en ligne. Ah, excuse-moi, j'avais pas reconnu. Italien. Il fait des abarts aussi. La même puissance. Bon, après, il n'y a pas que ça. Il y a ça aussi, en l'occurrence, parce qu'une voiture sans baquet, c'est pas une voiture de sport. Mais il y a aussi cette partie, voilà, qu'on a ouvert. Hein. Normalement, il y a un cache culbuteur ici pour les connaisseurs. C'est vrai, ça, on l'a pas dit. Pour ceux qui se connaissent pas, vous voyez, voilà, ces petits morceaux. Voilà, on appelle ça des culbuteurs. Voilà, là, tout va bien. Et là, oh bah, il est cassé celui-là. Il était en train de rouler, et là, ça fait ploc. Ah, petit problème. Tu me stresses là, j'arrive pas. Quoi? Quand tu filmes, j'arrive pas. Tu te stresses? Ton père est beaucoup trop prévoyant. On est pas trop vite, les gars. Parce qu'on est un peu à la bourre, donc moi je lui fais non. Je ferme la porte et là j'arrive où je fais. De toute façon, on est en BM, ça va pas rouler vite. Hein. Tu nous mets un petit son au moins. Véronique? Oh, sans son, j'ai compris. Monseigneur. Moi je trouve que c'est un peu gros, ça lui va bien mais c'est un tout petit peu gros. Prends pas un dodan trop vite. Image rare, Jason qui boit une limonade. Image très très rare. Celle-là c'est archive, tu vois, pendant 10 ans au moins. Non mais écoute. Mec, tu veux pas y croire encore? Quoi? J'ai jamais vu ça de ma vie, hein. De quoi? Bah, initial D. Oui. Mais, eh ben, j'étais genre en train de demander une voiture parce qu'on récupérait un moteur japonais pour être dans la BM d'Antoine, là, en urgence dans le swap et tout. Enfin, c'était un bordel. Juste tombé, je voyais tout en dessin animé en manga, alors j'ai jamais vu un manga de ma vie. Oh, c'est dur. Arrête de dormir là. Bon, l'avantage cette semaine, c'est que les mecs ont un peu plus de temps que moi pour bosser sur le moteur. J'aimerais bien aider plus, mais malheureusement, j'ai du travail pour les clients. Vous inquiétez pas, ça avance quand même. Et on va aller voir d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Même pas le temps de voir le moteur, le mec il m'a embarqué direct, genre ça part en soirée, mais on reste tranquille ce soir, gros. Riders on this, 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 riders
C'est vraiment, il était possédé, sa leçon ressort de lui, tu vois, genre... Ah non, mais moi j'ai vu la danse déjà, c'est énorme, et le cri à la fin, on dirait qu'il est possédé. Oh on dirait Jackie Chan. On n'est pas censé remonter un moteur, Lucas. Si. On a bien travaillé sur le moteur aujourd'hui. Hein. Et moi je me barre à Royan demain, donc je te laisse le remonter. On remonte le bloc. Et samedi ou dimanche, on remet dedans et terminé. Comme ça, moi j'arrive le dimanche et puis surprise, motherfucker. J'ai pas fait grand chose finalement. J'ai mal au dos. T'as mal au dos ? J'ai mal au dos. On se demande pourquoi. Ah ! Allez, renfort qui arrive. Et là, il y a. Faut pas hésiter. Le chef Melun qui remonte les pistons après le déglaçage. Oh, salut l'équipe, je me suis levé à 4h pour remonter les pistons, vilebrequin, tout ça, et ben voilà, je viens de finir. Donc on a, voilà, on a tout... tout qui tourne bien. Ce matin, ça a été réveillé un petit peu tôt, vers 9h. Après... Mouiller le maillot. Après une soirée assez peu mouvementée pour un samedi soir. Et là, comme vous pouvez le voir, il est presque prêt à rentrer dans le machin. Là. On va mettre le truc dans le machin, les bibelots dans la chose. Pour moi, il y a quelque chose qui rentre dans quelque chose ce week-end. On va finir par redevenir plus saoul avec ces histoires. Merci Antoine. Ta faute si on n'arrive pas à pécho de la... Putain, désolé, je suis en train de manger en même temps. Il avait un vieux cache-cul buteur, du coup, boum, ça. Le filtre arrière de la Cobra, nickel, histoire que ça respire bien. Son con, putain. Mais pour le filtre arrière, on est pas sûr que ça passe avec le capot. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va claquer le capot très fort, et si ça fait une bosse, on coupe la bosse. J'ai une idée. Sinon, on met pas de capot. Et ça, c'est marrant. Ouais. Ça, c'est moi, beaucoup je pense plus marrant. Qu'on va l'amener sans capot. Sans capot. Ah ouais, vous l'avez mis ses pédales, chambé. Ses pédales, il y a un petit levier Cobra aussi. On a rajouté la cinquième. La cinquième, il y était pas, du coup, vous l'avez mise. Bah, oui. Et là, on va mettre un baquet. Parce que clairement, si tu mets pas de baquet, c'est pas une voiture de sport. Putain, vous avez bien bossé, les gars. Et moi, je buvais des coups en attendant. C'est cool. On tenterait pas un démarrage? Ben si hein. Il faut hein. T'attends, le renifleur. L'eau texon des trucs. Voilà. Tu le sais qu'il arrive. Une espèce de bruit d'aspiration là. Ouais, c'est insolent. Ouais, c'est insolent, ouais. Et franchement, c'est quoi, je vais acheter une BM. Bah, bien sûr. Ouais, non, dis ta mère. Non. C'est dommage, cet émetteur quand même. Ouais, putain, fait chier. Ouais, mais au moins elle est tournante, au moins le moteur est dedans. Mais à chaque fois qu'on fait un truc sur cette caisse, il y a autre chose qui lâche, putain. Je pense et j'espère que c'est le dernier truc qui va lâcher. Hein. Putain, la prochaine fois, je suis caméraman. Les enfants, vous êtes les deux seuls pas au courant. Je leur ai fait une petite surprise tout à l'heure. On y est tous passés, hein. On montrait pas là-haut vite fait voir un truc? Non, t'as vu. Ça, je me suis peut-être acheté un petit truc là récemment. Ils sont pas au courant, je suis arrivé tout à l'heure et je vous êtes les deux seuls pas au courant encore. C'est quoi la lumière là-bas? Bah justement, on a fait tout un... j'ai fait tout un truc bien. Ah. Bah attends, j'ai fait un truc beau gosse, hein. Il a fait toute une mise en scène, du coup. Attends, on fait un vlog ou on fait pas un vlog? Lourd. On sait pas là que vous êtes. Alors? Mais non. Regarde ça, hein. Trop lourd, les gars, franchement.
Bah oui, on a tout signé. Mais là, elle rend bien, quoi. Elle rend bien. Tu vas pouvoir faire ta micheton dedans, là. Salut les bitches. Vous avez trop géré, les gars. Et pour finir ce vlog, vous allez rire, il restait même pas 5 jours avant de partir aux 24 heures du Mans, et cette petite E21 a encore eu des problèmes. Et vous savez quoi? Les gars ont tout géré pour qu'elle puisse faire son baptême du feu aux 24 heures du Mans. Donc bien évidemment, vous pouvez l'apercevoir dans le vlog des 24 heures du Mans. Et pour l'inaugurer comme il se doit, on s'est tous fait tatouer dessus. En vrai, c'était galère, mais bon, comme je dis souvent, c'est pas forcément le résultat le plus marrant. C'est plutôt le chemin.